Bonsoir messieurs, dames. Alors nous sommes dans le cours 147 d'art dramatique et aujourd'hui ça va être un cours oral. Oral et musical, puisqu'on va faire une espèce de medley entre l'accordéon diatonique et le cours 147. Alors, j'apprends à jouer de l'instrument. Je suis débutant. Ça fait à peine une dizaine de jours que je dois l'avoir entre les mains. Et je dois dire que c'est un très grand plaisir. C'est un très grand plaisir d'utiliser un instrument de la sorte qui sort tout droit des entreprises Mogier, accordéon, manufacture. Alors, je cherche encore les notes parce que je ne les connais pas. Hein. Je ne les connais pas encore, vraiment. Puisque je débute, comme je vous ai dit, c'est un accordéon à trois voix avec 66 notes au clavier droit et 12, 24 notes au clavier gauche. Alors, là, c'est de l'improvisation musicale. En improvisant, j'apprends où sont les notes, j'apprends le rythme, parce qu'en fait, c'est un accordéon avec une rythmique pour la main gauche et les notes de la mélodie pour la main droite. Hein. Donc, la rythmique, elle commence comme ça. Alors il faut avoir le sens du rythme et en même temps jouer une mélodie là-dessus. Alors j'apprends à jouer, je vous le dis vraiment, hein, c'est-à-dire que je ne sais pas du tout jouer à l'accordéon, mais je prends du plaisir, énormément de plaisir, parce que j'adore l'improvisation musicale, je suis un joueur d'harmonica, je me défends bien à l'harmonica, j'aime bien improviser, et là je retrouve toutes mes habitudes, enfin, avec un répertoire beaucoup plus large, parce que là j'ai quand même l'équivalent de 4 harmonicas sous mes mains, vous voyez, à faire jouer en même temps. Alors, j'ai l'harmonica avec des basses graves. Thank you.
il faut avoir un peu le rythme dans la peau, en quelque sorte, avant de débuter la mélodie. C'est tout le chic de cet appareil, c'est-à-dire qu'il vous impose d'avoir un rythme, un tempo, pour jouer sur un rythme tierce, quaternaire, enfin, valse à quatre temps, valse à six temps, tout ça. Et alors, pour avoir du rythme, on en a tous, hein, donc. Là, j'ai trouvé un rythme assez lent. Disons que je suis assez. Aujourd'hui, je suis assez endormi. Hein. Donc, j'ai envie de jouer lentement. Alors, je vais me prendre un rythme lent qui est le résultat de mon humeur interne, en fait. Et oui, le musicien, lui, il joue en rapport de son humeur interne. Il ne va pas se forcer. Voilà, ça c'est un rythme lent, et là-dessus il va falloir que j'improvise une mélodie. Et comme je ne connais pas encore mes notes de mélodie, je vais à peu près taper un peu de partout sur les notes pour essayer de trouver l'enchaînement musical. J'ai perdu le rythme, vous avez vu? J'avais bien commencé, j'ai commencé à taper quelques mélodies, clac, j'ai perdu le rythme. Alors, il faut revenir dans le rythme. Et ensuite, il faut essayer de multiplier les notes tout en gardant une certaine harmonie dans la mélodie. Alors, petit à petit, je vais trouver le rythme qui me convient. Mon humeur change, je m'énerve, j'accélère. Bon, tout ça, c'est un peu normal, j'apprends à jouer. Hein. Faut pas exagérer non plus, je débute. Hein.
jusqu'à quand je vais débuter, oh. Alors, il faut que je sois assez concentré sur ce que j'entends à l'oreille, parce que c'est la musicalité qui me permet d'enchaîner les notes les unes par rapport aux autres. Et il faut que je sois très, très, très concentré sur l'instrument, en quelque sorte. Hein. Voilà, là j'ai enchaîné un petit morceau qui était pas mal, je trouve. Hein? C'était pas mal. C'était pas mal. Non, franchement, c'était bien. À la fin, c'était bien. Vous voyez, quand je reste concentré, je commence à improviser des petits morceaux qui sont agréables à l'oreille. Parce que c'est ça qui compte, c'est que ce soit agréable à l'oreille, qu'il y ait une musicalité, qu'il y ait quelque chose. C'est de l'improvisation musicale. Hein? Alors on y repart. Alors vous voyez, c'est un peu le jeu des notes, un peu des notes du hasard. Hein. Parce que là, j'apprends un peu à pianoter. J'essaye de trouver les notes qui correspondent à l'harmonique de l'instrument. Quoi.
Parce qu'en fait, quand il y a les battements qui vont comme des vagues, en fait, c'est un peu comme sur la mer, ça monte et ça descend. C'est un instrument de marin, hein, quand ça part comme ça. Ça fait. Très difficile d'improviser comme ça parce que mais quand même c'est très agréable parce que justement je découvre les harmoniques entre elles, les notes qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas, mais tout de même ce sont les mêmes notes, hein, faut pas se tromper. Ça, c'est un enchaînement qui ne convient pas, parce que j'ai sauté d'une harmonique à l'autre. En fait, c'est par deux qu'elles vont. Alors, c'est les deux plus basses, elles sont là. Je me languis de me réécouter au foyer pour voir un peu si ça sonne clair à mon oreille ou si je divague complètement. Hein. Alors voilà, je reprends le cours. On a été interrompu, n'est-ce pas, le cours de 147 d'art dramatique, qui est un cours de musique finalement, hein, si je comprends bien. Un cours de musique pour débutants, puisque moi aussi je suis débutant comme vous. Hein. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas au même niveau. Alors, je commence. Thank you.
Bon, alors là, j'essaie d'accorder la rythmique avec le jeu de notes main droite, main gauche. En fait, j'essaie de faire la liaison, si on peut dire, entre le battement et les notes de musique. Bon, alors là, je fais mes gammes, hein, en quelque sorte. C'est tout. C'est faire ses gammes, s'ennuyer jusqu'à ce qu'on en a marre, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, je commence un peu à en avoir marre, hein. Oui, je suis content parce que je progresse. Je commence à faire la distinction entre main droite et main gauche. Je commence à apprendre à distinguer, à jouer sur deux instruments en même temps, en quelque sorte. Voilà, c'est petit à petit que ça avance, faut pas trop se presser non plus. Mais en fait, c'est le jeu, c'est d'apprendre à se familiariser avec l'instrument, quoi. Au début, quand on a un instrument dans les mains, hein, ça fait drôle, hein. Allez. Le but, c'est d'harmoniser les notes ensemble. Hein. Il faut qu'elles soient claires ensemble, quoi. Là, elles sont un peu déphasées, hein, mes notes. Je suis complètement à côté du tempo. Hein. Mais ça fait rien, ça fait rien. Il ne faut pas se décourager dans la vie. Et on y va.
Voilà, c'était une série de mouvements qui étaient joués en rythmique. Il faut apprendre à jouer en rythmique. Après, le sens des notes vont venir toutes seules. Mais d'abord la rythmique, la rythmique, la rythmique, la rythmique. Voilà. Sinon, l'accordéon, si on n'a pas de rythmique, on ne peut enchaîner que des mélodies. Hein? Moi, je n'avais pas de rythmique à l'harmonica spécialement, donc je n'ai enchaîné que des mélodies. Mais là, il y a un double pianoïon, si vous voulez. Il y a une rythmique et il y a une mélodie. Donc, il faut accorder les deux ensemble. C'est un peu comme le batteur et le musicien, quoi. Il y a le batteur d'un côté et le musicien de l'autre qui joue. Là, c'est batteur main gauche et musicien main droite. Voilà, qui c'est qui joue le mieux, le batteur ou le musicien? Voilà, je vous remercie d'avoir écouté. C'était un cours, c'était le cours 147 d'art dramatique qui est maintenant musical, devenu tout à coup. Hein? Donc, on n'a plus besoin d'images. On écoute, voilà, c'est de la musique. Je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.